illustrateur de tes nombreuses propositions. De tes nombreuses acres de vigne de Chinon et de Nicolas de Bourgueil. De ton domaine à la cour d'Aron en Vendée, dont tu es participative. Je t'enjoins de prendre conscience de ma famille. Ah zut, je me trompais. Daniel. Daniel, recommence. Pour faire suite à ta dernière lettre, reçue hier soir dans ma boîte aux lettres, je te supplie de revenir à la maison. Qui me supplie de te retrouver dès cette nuit, à 1h du matin, derrière la mairie de Mascouche. Alors que ton époux ronflera du sommeil de juste. Saoulés par la meute d'assoiffés qui se seront rués autour de nombreuses liqueurs que tu leur auras proposées. Eh bien, Daniel, je te le confirme ici, je te le dis, je n'y serai pas. En effet, je participe aux noces de l'une de mes toutes meilleures amies. Que je connais depuis bientôt 30 ans. Et c'est surtout la maman attentionnée de mes deux chéris. Oh, bien, Alicia. C'est beau. Ok, allez, allez-y. Aujourd'hui, devenu grand. Ce jour sera certainement l'un des plus beaux et mémorables pour tous. Ah, c'est sûr, hein. Et je m'en voudrais de ne pas être là. Ce jour sera peut-être alourdi de quelques discours trop longs, de quelques anciennes connaissances sur qui tu aurais pu jeter ton dévolu et enfin me laisser en paix. Car aujourd'hui, je te le dis, je ne suis plus libre pour toi. Mon cœur est rempli d'autres sentiments qui me laissent à croire que peut-être, un jour, tu pourras les vivre à ton tour. Bref, en ce jour particulier pour nous tous et surtout pour Daniel et Martha, je vous souhaite en notre nom à tous beaucoup de bonheur, de joie et d'amour. Ouais, allez-y, allez-y. Bravo, bravo. Ok, allez, la seule belle famille, allez, des moussons, c'est ça. Il faut tout dans la seule famille. Réunis. La seule famille. C'est très gentil, on regarde.